one. Oui, c'est nous. Oh, one to one. Ouais. C'est only one to one. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Oh, Tania, mon compagnon de toi. One to one. C'est ça, mon pote. C'est only one to one. Vous avez cru que c'était one fini. One. C'est only one to one. Yes. Soyez prêts. Travaillez vos côtes. Ça va se faire mal. Amusons-nous à fond. One to one. La vie est trop courte pour la vie vétiste. Oh, y'a là. One to one. Yes, my God. It's only one to one. Croquer la vie ou la vie de corps. Il faut se faire plaisir. Croquer la vie ou la vie de corps. One to one. Oh, bonjour, les boss. Les boss. La fin de Dieu. Fils des rois. Ami du pape. Le boss, on sait que bon, on sait que tu es fâché. Et même dans la Bible, on dit qu'une faute avouée est à moitié, pardonnée. C'est une maladresse. On reconnaît notre tort. On ne l'a pas fait par mauvaise intention à la base. On faisait tout simplement parce que bon, il fallait quand même qu'on essaie de voir. Vous entrez dans ma propre piscine. Le boss. On peut vous entrer dans la piscine avec des personnes qui n'ont aucune hygiène corporelle. Avec des personnes qui ont encore agricole. C'est vrai qu'on a fait une erreur. Mais c'était une erreur qui n'a... C'était pas prémédité. Donc vraiment, on ne peut que te demander pardon et que ceci était une première et une dernière fois que nous puissions nous comporter ainsi. Ça, tu peux en être sûr. C'est dans l'eau que j'ai vu, moi, j'ai vu les colocolos. C'est où j'ai dit à Tanika, ça c'est quoi? Ah, colo, quand je suis tombé là, colo, j'ai dit merde. On a vu l'eau était trop calme. Et tu sais, quand l'eau est calme, c'est pas bien. Pour une maison comme celle-ci, l'eau doit boucher. Vous connaissez ce que je cours comme risque à rentrer dans cette eau-là? Non, on a nettoyé l'eau là. On a versé le chlore, là bien. L'eau doit toujours être en mouvement. Sinon, il y a. Où sont ces filles? Il les a téléchargées. Et tout, c'est pas de notre faute, c'est Facebook. Non, je ne savais pas que Facebook. Et comme ça, quand tu les regardes dans Facebook, ces filles-là, c'est la magie. Mais une fois sorties de Facebook, nous, on a vu que non, ça, c'est la sorcellerie. Elles nous ont piégées avec les Photoshop. Photoshop. Les make-up. Et si pour une fois, vous êtes propre? Tanya, vous avez un habit propre. C'est la société, non? L'entreprise. Le paquet qu'on vous a donné, on a décidé de... Et pourquoi lui aussi n'a pas changé de vêtement? J'ai le cas, je suis Mirador. Ça, c'est la coupe Mirador. Mirador. J'ai acheté Mirador. Ce que vous avez fait est impardonnable. Mon père, c'est celui-là ce matin, c'est parce qu'ils sont venus plaider leur cause, s'il te plaît. Ne tiens pas compte de tout ce qu'ils sont en train de faire. Essaie de les pardonner. C'est vrai que tu es leur petit frère. Tu es aussi un père pour eux. S'il te plaît, essaie de leur pardonner. Il allait même se noyer, je l'ai sauvé. Il ne sait pas nager, l'enfant que tu vois. Daniel, ferme ta bouche. Il a failli se noyer que tu faisais d'abord quoi dans la piscine de ton patron. C'est comment? Et tu l'as mené dans la piscine papa quoi? C'est quoi avec toi? Il a fait le Saïto, l'eau a failli finir l'eau. Il a failli finir l'eau. Saïto, l'eau a fait pas. J'ai raclé seulement l'eau pour le mettre dans la piscine. Mais je reprends ces deux en une seule condition. Qu'il me présente le fiancé. Parce que s'ils étaient mariés, ils n'allaient pas se comporter de la sorte. Ils n'ont aucun sens de responsabilité parce qu'ils ne payent aucune facture. Attends, une question. Je ne dis pas que je vous coupe. Tu le coupes pas quoi? Quand ton patron parle, tu te tais. En plus, il me coupe. Je vais poser une question, non? Le boss. Donc nous là, nous, tu nous envoies encore pour draguer. Nous envoies draguer. Ah non. C'est incroyable. Je ne veux pas savoir comment vous allez faire. Je vous ai dit de fiancer pour retravailler dans cette maison. Mais bon, comme c'est vous qui décidez, on va vous faire plaisir, boss. Je tiens à vous rappeler ceci. C'est la première, la dernière fois de me voir encore plaider pour vous. Comme je vous dis là, tenez-vous tranquille. Autre chose. Vous ne touchez plus aucun objet ici sans mon autorisation. Plus jamais. Désormais, chacun à son poste. Toi à la porte et lui à la cuisine. Vous n'avez plus aucun lien. Même dans les rêves, plus jamais. Je ne veux plus vous voir dans mon bar, ni dans ma piscine sans mon autorisation. Comment il veut me servir? Il te sert à la porte. Tu vas me servir, tu vas débarrasser. Ok. Toi.
Il a dit que chacun son boss. Ok, ok, boss. Rentrez chez vous et décidez-vous si vous voulez véritablement travailler ici. Merci, merci. Merci. On est déjà au travail. Hein. On est déjà au travail, nous sommes prêts. Comment on rentre encore? Mais ce monsieur est fatigué. Qui? Non, c'est la piscine qui a fait ça. C'est le chlore, le chlore. Tani, Tani. Dès qu'il se met au soleil, tout, ça sèche tout. Tani m'a fait entrer dans l'eau. Il me dit que nage avec les yeux ouverts. Nage avec les yeux ouverts. Il ne dit pas qu'il y a le chlore. J'ai fait pécher mes yeux. Si je paie mes yeux, si, tu vas me rembourser ça. Tais-toi. Tu faisais quoi dans l'eau? Tu vas me rembourser les yeux là. Le chlore t'a même lavé ça. Tu vas voir clair. La vigilance pure. Cause-moi comme ça là. Allez à vos postes. Merci, merci, merci. Ah, merci les boss. Ah, Belon, chapeau. Sortez. Que Dieu te veille sur toi. Sors. Hush. Je te dis de sortir. Tu veux quoi là? Et toi, Tanya? Ah, je sors aussi. Ah, mais ces deux, ils se comportent comme s'ils ont eu la méningite quand ils étaient tout petits. Mon père, sans toutefois te dire non, cela a été toujours la maladie. Je m'en doutais bien. Mais quand cela ne tienne, s'il te plaît, de grâce encore, pardonne-les. Le truc s'est sifflé encore. Bonjour, monsieur le gardien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que je peux rencontrer votre patron? Ça qu'est-ce que j'ai? Vous avez un rendez-vous? Vous avez un rendez-vous? Non, c'est mon ami. C'est mon ami et voilà, je vais le voir. Présentez-vous alors, présentez-vous. Pardon? Pièce d'identité. Vous êtes policier? Annoncez-moi, dites à votre patron qu'il y a quelqu'un qui veut le voir. Mais je veux savoir que qui veut voir mon patron, c'est le problème. Vous ne me connaissez pas? Pierre Charpentier. Mais attends, nous sommes dans un pays de droit, monsieur. Et je dois savoir qui entre ici. Vous êtes sérieux? Attends, parce qu'il y a un monsieur qui est en train de fabriquer les plafonds là. C'est de droit. Arrêtez, monsieur. Arrêtez de me manquer du respect. Moi, Charpentier. Mais vous êtes qui? Vous ne me connaissez pas? Regardez-moi bien. Attends. Maître Couteau! Maître Couteau! Oui. Viens. Viens. Non, viens. Viens. Ouais. Bon. J'en ai viens. Marre. Tu étais là le patron m'a dit que je vais identifier toute personne qui vient ici, non? Tout le monde. Mais là, je ne sais pas qui. Laisse personne. Mais c'est lui que vous appelez? Mais peut-être venez-vous remettre. Un gros monsieur comme ça? Il y a les gars, les messieurs ici. Ils viennent depuis, ils disent, mais présentez-vous. Mais là, je ne sais pas si c'est le charpentier ou bien si c'est l'électricien. Monsieur, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler charpentier. Arrêtez-vous. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Du calme. Vous appelez un gros monsieur comme ça? Du calme, monsieur. Pour vous renseigner? Cordon bleu, Christo. Cordon bleu? Vous êtes qui? Mais c'est parce que vous travaillez à la cuisine que vous mangez beaucoup comme ça? Vous êtes qui? Vous ne me connaissez pas, monsieur. Mais c'est qui ça? Vous ne me connaissez pas? Non. Je ne me présente plus. Pourquoi? Vous devez me connaître. Parce que tout le monde me connaît. On ne vous a jamais vu ici? Il est venu ici. Où est ta carte d'entrée? Identifie-toi, c'est simple. Même les petits-enfants me connaissent. Vous êtes le ferrailleur? Moi, ferrailleur? Ah bon? Dans les chantiers. Continuez à me manquer du respect. Tout à l'heure, je vais vous demander ça. Vous allez me demander pardon. Vous êtes qui à genoux? Vous êtes qui alors? Vous allez me demander pardon à genoux. Laissez les choses dans la vous êtes qui alors? Je vais vous donner un indice. Mon visa, c'est ma carte d'identité. Hé, pourquoi venir nous faire des choses ici? Attends, votre pilon là ne me touche pas. C'est quoi l'indice? Je vais vous donner un indice. Vous êtes qui alors? Vous allez me demander pardon. Oui, mais vous êtes qui? Pardon à moi et à tous les Camerounais. Bientôt dans quelques instants. Bon, vous... Appelez votre patron. Non, on l'appelle pas. On l'appelle, on se risque. Vous êtes qui alors? Laissez-moi passer. Non, tu ne fais pas. Laissez-moi casser. Tu ne fais pas. Laissez-moi entrer. Je casse ta tignasse. Je casse ça. Gros ventre, ne veux pas dire que c'est la force. Hein. Là. Là, gros ventre, ne veut pas dire que c'est la force. Vous êtes déjà en alerte. On carton jaune déjà. Vous êtes déjà en alerte. Rouge. Vous êtes déjà en alerte. Mais tu oses le mettre. Faites attention. Hein. Tu peux doser le monsieur. Donc votre pilon là me touche. Bon, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quand je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, je me demande à l'Afrique, mais quel avenir? Ah!
Au lieu de me dire que tu es le DJ. Vous continuez à me manquer de respect. C'est vous qui avez chanté ça, hein? Tout à l'heure, vous allez me demander pardon. Mais tu m'as dit que c'est toi qui as chanté. Vous aurez envie de voir vos enfants grandir. Okay. Mais il raconte quoi là? Appelle les patrons. Tu peux chanter les gens là? Tu peux chanter les gens là? Vous non. Allez me demander pardon à genoux. Ah, Jésus-Christ. Attends. Allez, pas vous loin. Allez dire qu'on vous a envoûté. Mais tu es qui alors? Tu es qui? Bon, mets du fito. Il nous plaît. On va te la bonheur. Vous connaissez. Alors, c'est toi. Sa voix se rapproche quand même de qui? Celle de qui? Le chanteur là, mof. Non, appelle le patron. Tu connais le chanteur là? C'est une international. Le chanteur, il fait quoi ici? Il peut marcher dans les. C'est pour ça que c'est raté les anciens. Regarde, quand le chanteur, s'il voit les habits. Mais toi, Kuto, je te dis que appelle quand même le patron. Tu peux voir comme ça. Mof. Appelle le patron. Le chanteur vit aux États-Unis. Appelle le patron. Il vit au Canada. Il vit partout. Vous croyez que je suis venu demander l'argent à votre patron? Vous voulez voir l'argent? Vous voulez voir l'argent? Il y a les gros patron, biens. Voilà patron. Ça. Non. Regardez d'abord. Pas les histoires qu'on vous racontait que les artistes ont fait. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Et quand tu arrives à 19, c'est la fin du siècle. Voilà, attends, appelle quand même le patron. Tu connais les gens qui interprètent. Les gens chantent comme les créateurs. Appelle quand même le patron. On peut s'amuser comme ça que peut-être c'est le gars là-même. Si j'appelle. C'est parce qu'il est venu à pied. Non, si c'est pas toi. Si c'est pas toi qui as chanté la chanson là. À pied? Je suis pas à pied. J'ai laissé un Oura quoi quoi. Tu m'accompagnes partout, monsieur. Oura quoi. Appelle le patron. Attends. C'est mieux que rien. Vous n'avez même pas le vélo. Ça fait quoi? Va appeler les patrons. Cuisinier. Oui. Cuisinier. Affamé. Affamé. Regardez comment la cuisine vous a rendu. Merci. Une morphologie de gros, dis comme ça. De gros. Mangeur. Tu vas venir tout seul et après tu viens saouler sur tout un quartier. Non, mon frère, ce n'est pas normal. Croquer la vie ou la vie de gros. Ah oui, on ne vit pas deux fois. Croquer la vie ou la vie de gros. One to one. Tu veux être jaloux de ton frère, pourquoi? Eh mon frère, ne me suis-tu rien en débat ni son gingazo. La vie est trop courte pour la vie triste. Joue ta vie, joue ta vie. Avec ses ongles, avec ses ongles. Croquer la vie ou la vie de gros. One to one. Vous êtes dans la même boîte de nuit. Si tu bois le champagne, il boit le whisky. L'autre la bière. Vous saoulez la même chose.